Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour vous toutes dernières informations à travers le pays d'Haïti dans l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 26 janvier 2024. Bienvenue dans le journal Nous Créole. Nous pour jeudi en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan national. Juge Alduniel dimanche en lagué coucou rouge derrière plusieurs courriers garçons dans le cadre d'un dossier CNA, Centre National des Équipements. Et bien, dossier corruption ça. Et bien, juge Alduniel dimanche allait plus loin pour le river derrière Madame Martine Moïse. Lui-même qui n'a pas droit pour aller sous compte pour aller débloquer même yon goud lesko. Yon l'autre côté dans le pays étranger, la Cour suprême pays Kenya et bien bloqué tout processus que président William Ruto lui-même li t'apprend pour t'avoyer soldat yo entrer dans le pays d'Haïti pour capable collaborer avec police nationale d'Haïti pour gommer contre gang qui bay problème dans le pays d'Haïti. Tribunal en première instance, tribunal criminel international mandé Israël éviter soldats yo qui a commettre un série de génocides dans guerre qui gagne entre lui-même ensemble avec territoire Gaza sans que lui-même li pas mandé cessez le feu. C'est tout point ça yo avec divers autres nous va gagner pour nous développer pour dans journal ça. Restez connectés avec nos amis internautes yon façon pour bien informer. Une autre fois encore, go bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal Sila. Juge Alain Duniel dimanche, lui-même qui a un dossier corruption, dossier CNA lui-même nommel, la côté qui a gagné doyen tribunal civil là lui-même qui a voyé dossier ça bali pour que lui-même li capable et bien poursuivre dossier et faire dossier lui-même li marché après que lui-même li fin voyé invitation by plusieurs courriers garçons tant que Joseph Michel Martelly et Jocelyn Privin, ancien ministre Laurent Salvador Lamotte, Joseph Joutan ak plaisir l'autre encore et la trier et bien pour que au même yo capable vinn capable connaître qui ça qui gagne dans sa gain avec et matériel en centre national des équipements CNE pour connaître qui ça bagala li même lié et bien Charles Chancy lui même qui était choisi pour qu'il capable présenter devant juge Alduniel dimanche et bien rivé entrer en dedans pénitencier national déjà passé plusieurs jours après qu'elle t'ait fini de passer première soirée li et bien dans commissariat de Pétionville et bien plusieurs autres citoyens qui pas arrivé à l'état coup des parlementaires des anciens présidents anciens premier ministre yo même qui gagne un mandat d'amener derrière yo quel que soit n'importe côté qui même taillé pour que la police nationale d'Haïti capable poser la patte sur yo et bien juge Alduniel dimanche lui-même mandé pour que capable de mettre un interdit de départ derrière tout temps et bien nomme ça yo qui pas arrivé présenté devant lui pour connaître côté qui côté centre des équipements centre national des équipements et CNE qui boye et bien dans ça pour capable poursuivre monsieur Sayo et bien même juge Alduniel dimanche li mandé ensemble avec neuf banques dans pays d'Haïti pour qu'il capable bloquer compte tout le monde sa yo, tant que Laurent Salvador Lamotte, ancien président Joseph Michel Martelly, Charles Chancy, Willow Joseph, Joseph Joutan, avec plaisir, l'autre monde encore, amis internautes, et ça qui pire là, dans le moment où on a parlé là, eh bien, juge Alduniel dimanche mandé avec un dernier monde qui lance, qui entre dans liste là, c'est madame, ancien président Jovenel Moïse, mandé pour capable bloquer contre lui, parce que lui-même, lui entre dans une série de détails, surtout dans sa gain avec un caravane changement, eh bien, madame Martine Moïse lui-même, lui signe tout papier qui gagne, sans que lui-même, lui pas gagne aucun droit. De l'autre côté, il y a une plateforme nationale pour le progrès des droits humains, organisation ça lui-même qui fait sortir un rapport sur dossier Mariani côté que depuis 1er novembre gang avec Zam et bien occupé espace ça pièce moun pas capable et bien aller dans le sud et pièce moun pas sorti dans grand sud là pour entrer dans Port-au-Prince pour que capable chercher la vie dans sens ça pour quantité moun qui mouri kaya qui brûlé et moun qui rive victime et qui blessé déjà tout et bien plateforme nationale pour le progrès des droits humains fait sortir rapport ça sorti 1er novembre pour arriver 23 janvier
2024 là, il y a 77 personnes qui arrivent à faire voile pour payer sans chapeau, bandit tout yé, et plusieurs bandits tout arrivent à faire voile pour payer sans chapeau, il y a plusieurs policiers qui mourent, tant que Joseph, à plusieurs autres monde encore, madame, mesdemoiselles et messieurs, il y a 61 garçons qui arrivent à mourir, 11 femmes mourir, 4 personnes, il y a 35 personnes qui arrivent blessés par balle, et parmi la deux, il y a des gens qui arrivent à courir pour quitter le caillou, mais ils sont tombés sous plusieurs objets pointus, et même rangés, fan, gens qui autour. Il y a 11 motos qui arrivent boulées, 31 machines arrivent incendiées, et il y a 427 caillans qui abandonnés sans qu'ils n'aient pas gagné. Il y a des gens qui ont gagné, et ils ont gagné des gens qui ont gagné. Mais on a parlé là, sur ces caillans, c'est bandits qui habitent là-dedans, du moins ces chiens, et lorsque eux-mêmes ont fini manger moun ki mouri en dedans Mariani bandi tué, yo obligé quitter Kaisa, ou c'est chien qui habitait là-dedans yo. Gagné 896 moun qui pa gen en droit pour qu'yo capable rete alors que yo te gen kayo 36 ans l'école là, et bien qui pa arrivé fonctionner, sans oublier gagné 600 centre de santé, et bien qui pa gagné même yon moun qui vin prend timoso la soignaille là-dedans. Situation li paraît compliqué, zami internaute. Gagné cour suprême en dedans pays Kenya, ça fait un bon bout de temps avec question insécurité ça qui gagné dans pays d'Haïti, côté que les anciens côté premier ministre Ariel Henry était décidé qu'il capable demander un concours avec gang contre gang ça qui a bail problème dans pays d'Haïti, et bien il demandé dans mois d'octobre 2022 pour que capable porter soutien ensemble avec lui. Et pays Kenya lui-même qui était décidé, eh bien offrir tête lui en sacrifice pour que lui-même li capable venir et goumer contre gang qui gagne dans pays là, plusieurs autres pays tant que Sénégal, en Jamaïque, la Barbade, plusieurs autres encore, t'est décidé offrir pour que capable venir aider pays Kenya qui tape dans tête troupe ça pour capable venir bail sécurité aider la police nationale d'Haïti contre gang. Eh bien pays Kenya malgré instance te fait qu'on est y a bail 1000 soldats pays dans pays Kenya pour capable venir contre gang yo, et bien vendredi hier madame, mademoiselle et messieurs, gagné conseil en sécurité l'ONU qui te prend toute décision pour que au même capable aider pays Kenya, capable aider pays d'Haïti avec un pays Japon qui te offre 14 millions de dollars pour que capable aider avec PNHT pour capable goumer contre gang yo. Et bien hier matin gagné un gros l'oreille qui tombe, c'est que gagné pays Kenya cour suprême nan li même li déclaré après réunion sa fin fait tan côté que pa gagné yon grain soldat nan pays Kenya kap déplacé pour entrer dans pays d'Haïti parce que ça c'est un roi qui illégal. Et bien gagné président William Ruto li même li a fait tout ça qui demande de li a jeu tout point qui gagné pour quoi comment soldat ou capable rentrer dans pays d'Haïti malgré toute dernière information te rive fait qu'on est dans mois de novembre 2023, et bien va gagner 300 soldats qui va gagner pour faire un premier pas dans 1000 soldats dans mois de février qui vient là pour comment yo capable goumer contre gang qui gagne dans pays d'Haïti. Gagné amis internautes, Afrique du Sud qui pote plainte contre l'armée Israël là, comme quoi que yo même yo touye yon se de moun côté que yo même y a fait un série de génocide dans territoire Gaza. Gagné tribunal en première tribunal criminel international, et bien les mêmes qui campait sérieusement pour que capable et bien courir derrière l'armée israélienne non, et bien demander pour que l'armée capable camper soldats yo cap commettre yon série de génocide dans territoire Gaza malgré pays Gaza dans territoire Gaza lui-même gain en pile monde qui a mouri grand groupe parce que gain un problème humanitaire en dedans après pour que moun yo a mouri dans toutes circonstances. C'est dans ça tribunal criminel première instance la première internationale là li mandé pour camper que ça éviter le tout parce que moun territoire Gaza yo pas capable supporter parce que en début de tout gagné soldats israéliens yo commettre et bien génocide ça yo sans que même yo pas mandé yon cessez le feu.
Gagné tout, le gouvernement colombien lui-même, lui mandé sérieusement, lui décrété sa créole, état d'urgence, à cause du feu, eh bien, qui apprend tout conseil de tout côté dans le pays Colombie, parce que gagné un droit côté du feu, ça, même, yo absolu, c'est parce que, à cause de la pluie qui va tomber, eh bien, gagné une sécheresse en dedans. Eh bien, météorologiquement parlant, à chaque fois que moment ça arrive, ou toujours joindre un série de feux qui a sorti dans le pays Colombie. Et c'est une raison qu'il y a un président colombien qui demande pour que tout le monde fasse toute attention qui gagne de quoi que pour ne pas arriver victime des feux ça qui a fait dans le pays Colombie. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est là nous mettez, ils ont fait ensemble avec dans dernière édition nous pour ce maintenant. Moun qui t'a présenté un journal là encore jeudi, c'est des amis ou Jerry Cheristal sous Chanel Paula, et bien Papa Dessaline, et bien en collaboration avec VOA Creole qui n'a quitté ensemble avec vous pour que capable de gagner plus de. Actualité. Quelques grands points qui dominent l'actualité à un tribunal ou instance dans Kenya interdit gouvernement déployer police nationale en Haïti. Tribunal criminel international a mandé Israël pour éviter soldats ne pas commettre génocide dans la guerre menée dans le territoire Gaza pendant qu'il n'a pas mandé un cessez-le-feu. Et puis, le gouvernement colombien a décrété un état d'urgence à cause du fait qu'il a fait ravage dans plusieurs côtés dans le pays. C'est quelques parmi les points qui dominent l'actualité. Nous leur faisons encore nous saluer et nous remercions de vous passer toute semaine avec nous et que nous espérons tout à continuer à faire ça pendant la semaine qui vient là. Moi, c'est Jean-Bert Philippe et qui saluons et qui remercions nous. Il y a un grand point qui domine l'actualité. C'est la décision du tribunal supérieur dans Kenya prend pour lui interdire le gouvernement déployer force police nationale là en Haïti. C'est un citoyen qui était en fait un leader parti politique même qui était porté plainte devant le tribunal là pour te dire que police nationale là pas capable à porter coller avec force police nationale là en Haïti. Jacqueline Bélizère. In furtherance of such a decision contravenes the constitution and the law and is therefore unconstitutional. Jeudi vendredi 26 janvier 2024, la Tribunal suprême Kenya interdit déploiement en Haïti policiers PIA que l'ONU appuyait pour aider à renforcer capacité force police haïtienne dans l'idée pour croiser gangs qui pas suspendre si mais violence avec l'intérêt dans pays. Juge grand tribunal là, Enoch Chacha Mwita, déclaré Conseil Sécurité Nationale Kenya que président dirigeait, pas d'autorité pour déployer police régulière en dehors pays. Parlement Kenya a passé une motion en novembre 2023 qui permet déploiement 1000 policiers pour diriger une force multinationale en Haïti. Et plusieurs autres pays africains, parmi eux Tchad, Burundi, Sénégal, ont exprimé volonté pour participer dans la force qui a gagné pour déployer dans le pays d'Haïti. Juge Mwita fait connaître pas gagné aucun arrangement qui fait entre Kenya et Haïti, et personne n'a pas démenti ça. Et pour raison ça, pas gagné déploiement la police qui a fait dans le pays. Ça. Juge l'a dit, off Kenya, c'était une belle bagaille, mais il doit être fait en accord avec la constitution pays. Juge Mwita te prend décision pour répondre à qui yon plainte les deux partis politiques alliance Troisième Voie et kou au côté fait côté li te dit que plan gouvernement gen pour voyer policier yo en Haïti a illégal. Madame Maria Isabel Salvador qui c'est représentant secrétaire général l'ONU en Haïti et chef BINU Bureau intégré Nations Unies en Haïti te dit devant Conseil Sécurité Nations Unies en séance jeudi 25 janvier 2024 là situation Haïti a grave en pile. Plusieurs crises ma konnen ensemble dans le pays a rivé dans un point critique. Lidi Bureau l'a dirigé a documenté violence gang fait 8400 victimes pour année 2023 qui donc ça fait 122% plus que ça a été enregistré pour année 2022. Environ 300 gangs contrôlés à peu près 80% dans la capitale là et puis yo responsable pour 83% dans cas moun qui mouri assassiné ou bien qui blessé année passée d'après yo rapport organisation mondiale là. Guy Philippe, yo ancien sénateur élu grand dans le pays d'Haïti, souprié autorité Kenya dans un message vidéo semaine passée là pour yo pas quitter police ou soit militaire la caillou déployé en Haïti. Monsieur Guy Philippe déclaré peuple haïtien considéré moun Kenya comme frère en tant que africain pareil yo.
mais que si la police pays ça a déployé en Haïti, peuple Kenya pourrait le considérer comme l'ennemi Haïti parce que il pourrait le supporter un gouvernement qui pas légitime en parlant de gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Hier jeudi encore, ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus t'a fait demande force là encore devant tribune Nations Unies côté il dit que pays d'Haïti pas capable encore. Le peuple haïtien n'en peut plus. Je souhaite que cette fois-ci soit vraiment la dernière avant le déploiement de la présence sur le terrain d'une force multinationale d'appui aux forces haïtiennes de sécurité. Le peuple haïtien a assez souffert de la barbarie des gangs armés. Vraiment vrai, gang à travers le pays, surtout aux alentours capitales, la Port-au-Prince, pas suspendre l'agit territorial pendant qu'on continue à abîmer la terre avec vol, viol, kidnapping et la trier. Jacqueline Bélisère, VOA Creole. Eh bien, immédiatement après décision ça, eh bien, nous disons que porte-parole et Conseil Sécurité Nationale et Maison Blanche, John Kirby, déclaré par journaliste dans la Maison Blanche et administration au courant de décision gouvernement, prend pour y aller en appel avec décision tribunal là. N'a pas quitté yo prononcé yo sous décision si là, à cause d'une question ou une décision qui interne. Nous reconnaître pour volonté, eh bien, nous reconnaissons pour volonté gouvernement Kenya pour y participer dans une opération multinationale pour aider dans combattre l'insécurité en Haïti. Nous toujours croyons que l'important pour combattre gang améyo cap et créer chaos dans pays ya et côté yo touyer commettre violence peuple haïtien mérité mieux que ça. Et donc ça, c'est des déclarations porte-parole en réaction avec décision tribunal Kenya apprend. Et bien, c'est réaction la maison fait sous dossier ci là, un dossier que nous continuons à suivre pour. Dans l'autre point de l'actualité, à quelques membres de la population en Haïti, et bien, eux-mêmes, ils réagissent après décision tribunal Kenya apprend pour lui refuser déploiement police nationale PIA en Haïti, malgré encouragement communauté internationale là, en attendant de quelques parmi eux. Pas de force internationale qui a venu résoudre le problème qui est là. Moi-même, je crois dans l'armée, je crois dans la police nationale. Il y a deux unités entre la police là, qui sont SWAT, qui sont Boyd. C'est-à-dire, deux corps suffisent pour résoudre le problème de sécurité. L'armée est capable. Donc, je n'ai pas raison pour qui ça, et un groupe nègre, pouvoir, à demander pour force internationale venir là. Décision là pour Suprême Branche, l'enfer Haïti. Raison de faire me dire en faveur Haïti, donc si toutefois nous gagnons ça y est l'armée d'Haïti qui là dans moment, si toutefois nous gagnons police nationale d'Haïti, nous gagnons BESAP, donc je pense au lieu pour nous aller à l'étranger dans l'autre pays pour qui ça nous pas choisi ni nous pour nous créer pour nous comme si pour des solutions dans la crise qui gagne en Haïti comme Mathieu là. Je suis entendu dans la radio que la force multinationale là, Kenya n'a pas encore été en tête, c'est Jamaïque qui a été en tête. Je me dis comme ça, dans les bagages d'insécurité, ça, ça Kenya rend le pouvoir de Dr. Ariel Henry là, les complices dans l'insécurité qui a passé en Haïti. Parce que automatiquement, depuis que vous avez un gage, vous avez voué une force multinationale, vous avez voué. Mais je dis à moi-même, ça me dit Kenya. Si Kenya, par la combinaison, il y a un capacité dans le pays, je suis bien content parce que la force policière va rentrer. Mais je pense que c'est le cas de la force armée. La force étrangère va rentrer. Par rapport à ce qui ça. Si la force armée va vouloir, le Kenya va vouloir la force armée elle-même. Pourquoi Kenya, la combinaison? Donc, il faut que nous disions que hier jeudi 25. Et janvier, tu as un gros débat qui était fait, une grosse séance qui était faite dans l'Assemblée générale des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité à côté. Toute partie concernée, que ce soit représentant CARICOM, représentant Kenya, représentant Haïtien, mais ils tout débat de bravo, ils tout encouragé. Et pour demander des nécessités qu'il y ait pour déployer force ça dans le pays d'Haïti, pour aller protéger avec la police nationale là, pour aider à combattre l'insécurité. Il y a un gouvernement kenyan lui-même, représentant Kenya dans les Nations Unies, mais
lui-même il a déclaré que le pays fait tout ça qu'il est capable pour prendre toute disposition qui gagne tant qu'on déjà sélectionné et groupe qui pourrait aller entraîner tout ça qui devait il y a déjà avoir une délégation en Haïti il a même tout été accueilli une délégation haïtienne la Caillou et non qui était pour venir négocier venir parler ça qui doit fait. Mais jusqu'à présent, il y a tant de décisions que le tribunal là, qui ont été encouragées pour te prendre des décisions, mais le tribunal a décidé autrement. Mais tant que gens, et ça qui dit, il a semblé que d'après la Maison Blanche dit, eh bien, le gouvernement kenyan est capable d'aller en appel avec décision, et même là que, alors dans l'article 1, résolution des Nations Unies, eh bien, il a dit que c'est un pays qui est capable grand tête et force militaire nationale là il pas fonctionner Kenya directement mais ça veut dire que il y a l'autre possibilité pour un autre pays si bah Kenya pas ta marché pour un autre pays ta va prendre tradition mais ministre des étrangers haïtien et ben lui même il dit que Haïti pas capable encore même pas capable encore il est temps pour force ça déployer pour aller décombattre insécurité à et nous dit jeudi vendredi à ça t'a fait pratiquement 8 jours depuis nèg armé été kidnappé un groupe religieux parmi eux un groupe religieux avec deux civils 6 religieux avec deux civils et ben mercredi passé et ben groupe religieux ça avec civils ont été libération après appel pape François a été lancé ensemble avec la communauté de l'église en pays a tout été lancé avec OPC a demandé tout pour être libéré Mounsa sans condition mais nouvelle pas dit si tu gain échange qui t'est fait exactement pour te et ou bien encore si tu gain rançon qui t'est payé qui t'est bail pour te libérer et groupe ça nous rappelons que jeudi a fait un jour mais depuis mercredi Mounsa jeune libération dans l'autre point cap de l'actualité et bien Israël avec Afrique du Sud mais chaque a prié la victoire après décision tribunal criminel international là et pour pas mander nation hébrea pour lui camper sous opération militaire menée dans territoire Gaza excepté protéger population civile et puis permettre aide humanitaire rentrer dans pays là on a ça. Tribunal criminel international là qui était penché sous plainte Afrique du Sud déposée contre Israël d'y accuser cap commettre génocide dans territoire Gaza mandé pour Israël essayer contrôler quantité monde cap mourir et avec des gars dans opération soldat lieu a mené dans territoire Gaza depuis 7 octobre tribunal là pas mandé Israël pour suspendre opération militaire l'a mené dans territoire tribunal là mandé Israël à améliorer situation humanitaire pour civils palestiniens yo. Président tribunal là Johan Edonogu qui t'est parlé après décision dit li au courant tragédie humaine ça cap développé dans région et ça bali en pile tête chargée peut-être moun cap continuer mourir avec l'autre cap souffrir. Décision tribunal là prend vendredi 26 janvier seulement provisoire. Dit qu'il va prendre plusieurs années avant tribunal à prendre une décision définitive sous plainte Afrique du Sud déposée. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally Benjamin Netanyahu, par la parole après décision tribunal international a déclaré Israël prend engagement pour respecter la loi internationale. Il n'y a pas rien contre le peuple palestinien que Hamas a utilisé pour l'attaquer Israël pendant qu'il répétait le droit Israël gagné pour le défendre tête, même avec tout l'autre pays. Pour lui, il dit tentative pour nier le droit fondamental, ça, c'est une discrimination flagrante contre l'État hébreu. Et c'est sous base ça que le tribunal là rejeté demande. Premier ministre a demandé tribunal là pour rejeter accusation génocide Afrique du Sud fait contre pays. Afrique du Sud considéré comme une victoire décision tribunal la prend pour imposer mesures d'urgence contre Israël dans la guerre dans Gaza même si il était souhaité tribunal là mandé un cessez-le-feu. It is a victory for the international rule of law that there could be no exceptionalism. Ministre affaires étrangères Afrique du Sud Ronald Amola parle pour dire c'est une victoire pour l'état de droit international. Pas de gain aucune exception pour quel que soit pays sur planète qui doit respecter obligations internationales et nous espérons Israël a respecté décision tribunal là. We've reaffirmed this with the government of Israel. And it's my understanding that they are, as is necessary and appropriate, looking into this. Pendant ce temps, l'État américain Anthony Blinken, qui a parlé de Angola, renouvelé appel aux États-Unis pour Israël protéger les civils palestiniens après attaque mortelle qui fait dans un camp provisoire Nations Unies gagné dans le territoire Gaza, à côté de 13 personnes mourues pour Pipiti et plusieurs douzaines d'autres blessés. Israël et Hamas, l'un a plongé de l'autre sous l'autre comme responsable. Attaque là. Joël Philippe, Vieux à Créole,
Washington. Dans une autre cas dominé, actualité autorité policière dans New York a cherché enrôler minorité yo tant qu'au haïtien pour venir augmenter force là. Valé Saint-Louis qui sont assisté cérémonie promotion un groupe dans institution dans New York a dit non plus. Jodi an nou nan akademi polis la nan New York. Se nan akademi sa kote ke yo bay formation et puis yo fè entraînement pou tout moun la vle rentre nan fos polis la. Fos polis la ki rele NYPD kap de servi vil New York la. Polisye sa yo pral vin servi et protéger yon population ki yon abdi ki estime a 8,804,190 habitants. Et fos polis NYPD ya genye yon effectif de 33,612 officiers kap servi. Jodi a se yon jou spécial. Spécial pou polisye sa yo ki jodi a, et ben garçon pou femme kap gradué. Yap soti nan grade policye pi yon rive détective, son promotion ki yon pran, et gen plusieurs policiers ki yon même ap gradué parce que yon fin fè entraînement et yon passe étape pi yon vini officier polis. Fami yo vini pou asiste cérémonie sa, parmi effectif policier nous joignent plusieurs nationalités ak ras. 10.9% asiatique, 16.1% moun noir, 31.8% panyol, 0.1 moun ki yo même soti ici aux États-Unis et 41.1% moun ki blanc. Force New York la gen pile haïtien. NYPD Force Police New York la ki nan moment sa, et ben yo ta remè joignent plus haïtien ki rentre dans la police la. Et nan moment sa, c'est moment que y a fait recrutement. Konsa VOA Creole t'est parlé ensemble avec chef personnel police New York la NYPD a qui c'est chef Joint Benoit et konsa tout t'est parlé capitaine Claude Célestin qui lui-même tout son haïtien américain qui ba nous plus détails sur qui gens yon moun capable rentrer dans force police New York la NYPD. Moi c'est capitaine Claude Célestin. Moi c'est on cadre dans la police là, moi j'ai 20 ans dans la police là. Nom c'est officer Bradway. Mais j'ai 13 ans. Non fois là mais entre les 25 ans et puis oui par exemple fille dans la police là bon on compte mais partie dans police département et moi c'est une décision que me fait que me content que me fait ça parce que un paquet opportunité que la police a offert. Et pour ça moi là je dis pour m'encourager jeunes haïtiens avec haïtiens pour encourager pour appliquer pour entrer dans force police parce que on pas cette opportunité. Dino, il était facile pas on était d'accord pour t'entrer dans force comme fille. Non, il était facile pour moi. M'étais préparé pour examiner hein? Et puis après me commencer courir parce que faut courir parce que là entrer dans l'académie faut courir en pile, il faut faire push-up, il faut faire un paquet d'exercice. Qui pour bailler pour faire pour entrer dans police? Le premier étape, c'est l'examen. Tout mon examen en mars, là, soit en juillet, vous faites tout le procès, en juillet, si vous voulez entrer dans la police académie. Nous avons différentes positions. Nous avons une position côté que vous avez, sous un TPS, sous un humanitarian program, pour rentrer dans la police académie. Nous avons une position pour ça. Donc, vous avez un force manager, vous avez un ticket dans la rue. Vous avez besoin seulement ou juste besoin de papier légal. Depuis papier légal, make sure que TPS n'a pas expiré. Pour aller dans DICAS website, qui c'est nyc.gov/DICAS. Si vous aller là, vous signez pour examen. Vous examen qui va venir là, vous signez pour examen. Et puis après ça, vous pour examen, même pour ça, après l'eau, pour faire un bagage d'investigation, vous prenez un examen en psychologie, vous prenez un examen médical. Et puis après ça, vous passez tout examen, vous rentrez. Valerio Saint-Louis, pour VOA Creole, depuis New York. Donc merci Valérie, nous ca comprendre et pour force police et New York là, comment la coutiser dans la communauté haïtienne pour ta venir faire partie force là et yo même encourager surtout jeunes haïtiens qui gagne bon pas mon temps comme moi, mais jeunes haïtiens yo qui gagne qui légal aux États-Unis puis on est inscrit dans pour une faire partie institution police ça et cela sous un TPS et sont entré dans programme Biden et sous déjà gain résidence ou bien au gain l'âge que mandé a donc visiter site que te baoua et puis au cas bois sont remplir toutes conditions pour venir faire partie institution ça mais c'est pour ville New York dans l'autre point qui est censé appé dominer et actualité a nous parler n'abdou grabo un gros diffé en Colombie forcé gouvernement décréter un état d'urgence justement pour permettre que on fait face avec diffé ça sur les diffé de forêt ou bien feu de forêt qui pendant divers côtés dans pays a Marius Pierre.
Es una facultad que tiene el gobierno con la firma de todos los ministros. Président colombien Gustavo Petro, le dit mercredi 24 janvier, il peut déclarer du feu sauvage qui a brûlé dans le pays comme un désastre naturel pour libérer l'argent pour combattre du feu. Dans la température qui a monté 17 degrés dans la capitale, avec la fumée pendant une température record qui est associée à un phénomène météo El Niño. Président Gustavo Petro. Es una facultad que tiene el gobierno con la firma de todos los ministros. Se declara la situación. C'est un outil gouvernemental avec approbation de tous les ministres pour déclarer la situation de désastre naturel. Ça veut dire qu'il y a quelques articles budgétaires qui ont changé dans l'autre domaine pour résoudre le problème qui présentait. Problème fondamental pendant la saison, ça, c'est non seulement manque d'eau, mais chaleur à tout. De l'eau a évaporé et puis du feu a pété. C'est un phénomène El Niño qui aggrave la situation. Hein? Et puis en plus de ça, il y a un réchauffement planète là, crise climatique là. Colombie éteint à peu près 204 du feu forêt. Moi, ça, presque 8 par jour, et il y a 25 du feu qui continuent à bouler, d'après un rapport au ministère environnement avec l'agence des As. Plus parce que moitié d'une municipalité d'un pays sous alerte rouge, sous menace du feu, avec zone qui aux alentours capitale là, qui frappait en pile. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Non, pas dans le pays d'Haïti, nous rappelons que juste dimanche, qui est censé enquêter sur le dossier corruption et Centre national d'équipement, CNE, eh bien, nous rappelons que depuis semaine passée, l'ATD a lancé mandat d'arrêt contre plusieurs personnalités qui étaient censées dans le gouvernement, ou bien que ce soit premier ministre, ou bien encore membre gouvernement. Il était tout profité tout pour le non seulement un mandat international, mais tout le lancé tout, interdiction de départ pour autorité ou bien pour ancien autorité ça. Eh bien, je dis à gagner un avocat, c'est M. Caleb Jean-Baptiste, qui lui-même dit que lui-même, beaucoup de parle, il va prendre toute disposition pour que il est capable de mener et oui, aider mettre main sur ancien autorité ça yo. Pour qui ça tout monde dans affaire ça yo c'est que chou pas gagne d'après. Tout film de construction pour l'agence ça yo c'est que chou pas gagne d'après. Moi je jure sous vim. C'est dossier ça m'va faire net. Pas d'année ça. Pour me faire marrer tout monde ça yo qui gagne construction dans réhabilitation, tout film ça yo. M'va faire marrer moi. Pour voler. M'a dit bon Dieu, grand citoyen que les vins se voient, il va le chercher tomber sous le dos. Pas que ce que pour avancer l'examen, il va le bon nous. Pour nous battre le peuple là, pour montrer le peuple là. Et je ne cherche pas, moi qui m'en bats ça. Bon Dieu, vous m'avez article 56 à protéger. Je ne vais pas vous dire que vous avez une affaire. Article 56, loi qui est professionnel. Je ne vais pas me déposer sur un qui concerne les dossiers maltraités. Ce qu'on appelle secret professionnel. L'éclair, monsieur. L'éclair, monsieur. Je dis à la dossier FNEA. M'annonce nous dans la semaine qui vient. Pour l'équipe diaspora. Qui est à parler avec moi, joindre moi. Ou équipe organisation l'école, parents d'école, ou équipe directeur, militant, toute classe, qui a pris joindre moi. Pour nous porter plainte, cabinet d'instruction. Pour nous porter plainte en USCC, pour suivre des comptes, et puis pour nous lancer des pro-mobilisations, des gros sittings, pour nous demander d'arrêter tout nos saillants. Femmes à garçons qui volent l'argent. Maître Caleb Jean-Baptiste, c'est maître pas tout de Fonds National Éducation en tout, côté que il t'a semblé que gain l'argent que t'a détourné ou bien gain compagnie qui t'a payé pour construire l'école et ça semble que l'école ça yo poko ou bien yo pas construit dans le contrat que il semblait t'a gagné avec ministère éducation nationale. N'a prêté toujours en Haïti, n'a du ministère travaux publics lancé projet réparation route qui relie ville Cap-Haïtien avec Wanamet, Gérard Maxino. Nous gagnons un projet que le contrat a signé depuis 9 ans. Et c'est pour que nous prenions la route RNC, c'est-à-dire la route nationale numéro 6, qui part de Colombo au Cap Moustapha. Sur route, ça, toute.
chaussée. Il y a un peu de côté que l'Église est censée endommager. Il y a endommagé, il y a fortement, il y a un peu de côté de passion, donc il y a gagné, il y a un peu de pardon. Mais mon faisant chance, c'est le pari chaussée. Deuxième composition, c'est pour reprendre la Jugalda, c'est-à-dire que les Dalos, les petits fonds, et puis il y a une lumière qu'il y a de profiler. Et troisième composition, c'est sur place, c'est le fait que le panneau, on y a sur place. C'est-à-dire les panneaux de signalisation, signalisation verticale et signalisation horizontale. Donc maintenant, je veux dire, l'objectif là, c'était lancer le projet. Donc mon lancement projet là, nous faisons une visite d'abord dans l'entreprise qui a exécuté ce consortium. Avec tout ça. Donc, nous avons dit Là, après la visite, nous demandons pour faire un bon décès. Parce que bon décès, nous devons le faire devant nous. C'est que l'insensé, c'est un bail symbolique. L'insensé, lancer le jeu. Bon décès, après, sur 50 mètres de longueur et ensuite sur 7 mètres 20 de large. Donc, c'est ça que nous avons fait là, nous faisons à partir de Cafoulon. Donc, c'était le ministre des Travaux publics, Transport avec Communication, ingénieur Rosemont Pradel. Non, l'autre point de mini actualité, la communauté haïtienne dans ville Chicago, dans l'État Illinois, participé dans une activité levée de fonds pour construction d'une université dans la base Artibonite, particulièrement dans la ville Saint-Marc. Une université qui a porté nom fondateur de Chicago, Jean-Baptiste Prendusable, Obed. Plusieurs dizaines de citoyens haïtiens et américains qui dans la région Chicago ont réunis dans la soirée mardi 23 janvier pour une grosse cause. Ramasser l'argent pour construire un nouveau campus université en Haïti. Activité ça a été faite sous l'obédience Conseil Tête Ensemble pour l'éducation supérieure en Haïti, ensemble avec diverses autres organisations. Plusieurs personnalités étaient montées sous le podium pour encourager les participants à faire des contributions pour le projet. Thank you, Christian. Jane Chagoski, yon député qui représente l'État Illinois dans le Congrès américain, te parle comme ça. And so I believe that we owe it. Pourquoi nous gagnons d'aide pour voisin ça? Yon pays qui a établi démocratie dans conditions difficiles. Nous devons faire tout ça nous capables pour aider l'organisation ça porter mot sur éducation pour jeunes et même quelques grands monde tout dans le pays d'Haïti. Architecte Ron Henderson, qui est responsable pour faire plan construction, te présente quelques images pour bailler public là avant goût sur qui sa campus l'a assemblé. D'après l'explication, le campus université ça a doué produit propre courant, de l'eau et même manger pâle. Et puis bâtiment doué une capacité pour résister contre désastre naturel. Pas de chiffre qui te dévoilé dans fin soirée à ce combien l'argent qui te ramassé. Sans doute c'est parce que c'est sur un site internet dont il était fait. Organisateur n'a pas de bail non plus trop de détails sur le calendrier projet ça. Sauf que l'architecte l'a mentionné, conseil a pris le garde comment la situation politique a évolué en Haïti avant de démarrer la construction. Nous ne pouvons pas insister plus toujours sur comment il est important pour impliquer le groupe local et bénéficiaires dans le projet ça. C'est déclaration Yuri Emmanuel, conseil général haïtien qui est dans Chicago. L'important tout pour nous faire connaître, c'est dans ville Saint-Marc, campus université ça pour le mettre sous pied. Et choix ville Saint-Marc là a une signification importante parce que d'après l'histoire, c'est sous bout de terre ça Code Lombrique Jean-Baptiste Prendusable, fondateur ville Chicago a t'a censé enterrer. Dans ce sens ça, campus université ça t'a dû aider continuer à renforcer les liens entre deux communautés. Merci Obed. Eh bien, Abdou que ministère communication
avec culture, et bien il a annoncé que il y a un pourparler ou bien il a fait des marches. Puis aussi musique festival ou bien encore musique compar, t'as considéré ou bien t'as entré dans le patrimoine UNESCO et d'après ça il a annoncé et puis qu'il y a tout 17e édition et compar festival là. Jazz, eh bien, il démarre depuis hier et il a fini dimanche dans Port-au-Prince. Jeudi à ce vendredi, nous saluons tout le monde, nous remercions tout le monde qui a aidé à mettre le programme ça sous pied et nous disons, comme toujours, si vous conduisez ou pas à consommer alcool et si vous consommez alcool ou pas à conduire, passez un bon week-end. Merci, camarade Nelson. Merci, bon travail. Bye bye.